Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Hertfeld. J'ai fait plusieurs commandes sur la boutique d'Hélène Scrap Stores, puisque c'est son nom sur Etsy. Je n'ai pas encore tout reçu, mais comme j'en ai déjà pas mal, je voulais vous les présenter malgré que vous les ayez déjà vus sur différentes chaînes et entre autres la chaîne de Charlène, le petit monde de Chachou et la chaîne de Joël, l'atelier de Joël 31. Donc ces découpes, je m'en suis servi pour certains albums, entre autres l'album Princesse que j'ai fait en duo avec Joël. Je m'en suis servi de pas mal pour les deux albums mariage que j'ai quasi fini de faire pour ma fille. Donc, quand je vous tournerai les vidéos, vous verrez le rendu de certaines découpes. Et entre autres, je vais vous montrer la découpe livre qui est juste sublime. Donc, on commence par le Dies Elegant Pocket Accent qui est juste sublime. Donc, il se compose de quatre parties. Donc, vous avez la partie pour faire une bordure pour un rabat, je m'en suis servi. Là, je m'en suis servi dans l'album Wedding que j'ai fait à Anastasia d'après le tuto d'Hélène. Et puis là, des coins, je m'en suis servi aussi pour son deuxième album sur le thème de la marine nationale. Donc là, je vous ai pas fait les découpes. Parce que sincèrement, il y en a pas mal. Mais après, si vous êtes intéressé à ce que je vous fasse une vidéo avec les découpes de fêtes, bah, marquez-le-moi en commentaire. Et puis, c'est avec plaisir que je vous ferai les découpes. Mais ceci dit, vous pouvez les voir surtout sur les tutos de la chaîne d'Hélène Scrap. Puisque elle fait ses albums et ses cartes avec les dies Hertfeld. Voilà, donc il y a celui-ci. Ensuite, celui-ci, je m'en suis pas encore servi, mais le prochain album, je vais m'en servir pour agrémenter les pochettes. Pour voilà, pour je trouve que ça fait comme si ça faisait un demi-napperon. Et puis il est relativement grand, donc on peut faire de grandes pochettes, hein. Puisque bah, il mesure 17,5 cm x 7 cm. Hein. Je vous montre les mesures. Voilà. Et après, il y a différentes sortes pour agrémenter la barre du, la petite, le petit espace du milieu. Ensuite, nous avons le dies pour faire les bordures. Avec la dentelle et la découpe. Ensuite, vous avez aussi pour faire la découpe du dessin, des fleurs, des feuilles. Donc c'est pareil, celui-là. Puis il y a les sentiments thank you et happy birthday. Donc là, c'est pareil, ça fait des grandes découpes, hein, des grandes bordures. Ça mesure de là à là, ça mesure 18 cm, hein, et sur un espace de 5,5 cm. Hein. Donc vous avez la bordure pour faire la bordure côté gauche et celle-ci pour faire la bordure côté droit. Ensuite là vous avez la découpe des fleurs et des feuilles. Voilà. Ensuite, alors nous avons le bouclette basique qui va avec le bouclette frame. Alors celui-ci, c'est juste magnifique. Moi, je fais une découpe de chaque des trois là, et après j'associe avec celui-ci la découpe qui correspond sur le dessus, et ça fait un rendu sublime. Je vais vous montrer sur l'album Wedding d'Anastasia ce que ça donne. Alors, je l'attrape parce que c'était pas prévu que je vous le montre. Donc là, ça donne ce rendu-là pour celui-ci avec les papiers wedding de Stamperia. Je m'en suis servi en guise
de pochette, hein, comme sur le tuto d'Hélène. Et puis j'ai refait la même chose sur son album de la marine, donc je vous montre aussi. Alors j'attends encore quelques accessoires pour les albums pour pouvoir vous tourner les vidéos. Mais dès que je les ai, promis, je vous tourne les vidéos. Et donc là, c'est... Oh, je vous fais bouger. Je vais vous donner le mal de mer, je suis désolée. Oups, j'ai bougé ma caméra avec mes grands gestes. Et là, donc, c'est la deuxième version du livre. Toujours en guise de pochette. Hein. Donc, voilà. Donc ensuite, nous avons les tags. Alors ça, j'en suis servie dans les albums. Je lui ai fait des tags comme ceci. Et ceux-là, surtout ceux-là dans le wedding, c'est juste canon. Parce que c'est pareil, ils sont extrêmement grands. Hein. Celui-ci fait 11 cm sur 16 cm. Et celui-ci fait 9 cm et demi donc de large sur 15 cm de haut. C'est juste nickel. Et cela, on peut s'en servir pas forcément en tag. Je suis la chaîne de Scrap Queen. Et dans ses albums, elle se sert beaucoup de découpes comme ceci, qu'elle coupe ensuite dans le milieu comme cela. Et elle s'en sert pour mettre en bordure sur ses bordures de pages. Ensuite, nous avons le décoratif Pocket Accent. Alors celui-là, c'est juste canon. Je me suis servi beaucoup de celui-ci et de celui-ci. Et un petit peu de celui-là dans le deuxième album marin pour ma fille. Ça, c'est une découpe que j'avais achetée au tout début que j'ai commencé à scraper. Donc ça a fait un an au mois d'octobre que j'ai commencé à scraper, donc ça fait un an et demi. Et cette découpe, elle est juste sublissime. Elle est trop trop belle. Celle-ci, quand vous faites la découpe, ça va avec tout, avec tous les styles, je trouve. Ensuite, nous avons ce die-là qui m'a servi donc à faire les fonds de photos. Et je me suis servi aussi de ce dies là pour faire les encadrements pour certains endroits de photos, parce qu'après on peut mettre une petite photo, par exemple une photo découpée pour ma fille de sa main et de la main de son mari avec leur alliance. Enfin après ils feront ce qu'ils voudront, mais ça permet de rendre de la photo plus sympa, plus jolie. Celui-ci c'est pareil, il est extrêmement bien. Parce qu'en plus de ça, il permet de faire un support, fabriquer un tag, puisqu'il est large aussi. Donc moi, j'ai fait des découpes comme ça, donc toutes simples. Et après, sur cette découpe-là, derrière, j'ai rajouté un rabat, ce qui permet de mettre 4 photos. En fin de compte, parce qu'il est large aussi. Il fait 12 cm de large sur 17 cm et demi. Donc ça permet de mettre des photos 10-15 sans problème. Ensuite, nous avons celui-ci aussi, le Majestic Swirl Frame, qui est super classe. Moi, je me suis servi de celui-ci pour faire des cartes de fin d'année et début d'année. Et c'est juste sublime parce que j'ai fait une superposition de papier de deux couleurs qui s'associent. Et j'ai fait des découpes après en papier doré ou en papier argenté. C'était juste sublime. Et c'est pareil, je me suis servi de ce dies là, le tout simple, celui qui fait le tour, pour faire des découpes de tags pour mettre dans l'album pour ma fille, celui sur le thème de la marine nationale. Voilà. Ensuite, j'ai acheté celui-ci aussi, avec lequel j'ai fait des cartes, qui est très très sympa, qui est très fin là. Tout est dans la finesse au niveau de cette découpe là et de celle-ci aussi.
Donc, faut pas un papier trop fin, parce que sinon, quand on retire du dies, bah, ça se déchire. Donc, moi, cette découpe-là, je l'avais faite dans du papier miroir argenté. Et cette découpe-là, je l'avais faite dans du papier cardstock, pour être sûre de que ça se déchire pas. Voilà. Et récemment, donc du coup, j'ai reçu mon kit pour faire des fleurs, comme Hélène, parce que je suis tombée amoureuse de ces roses. Voilà. Et donc, je me suis acheté le kit. Donc, vous avez le tampon pour tamponner les roses sur la feuille. Donc voilà, les tampons sont épais en plus, hein, c'est pas des petits tampons, hein, voyez, épaisseur. Donc voilà. Donc il y a les trois grandeurs de pétales différentes puisque elles constituent ces fleurs avec. Et là, il y a le tampon pour faire les feuilles, c'est juste magnifique. Donc ça, on tamponne sur sa feuille. Voilà. Ensuite, on a le dies coordonné pour découper les tampons que l'on a fait. Voilà, ouais. Donc les pétales moyens, les tout petits pétales et les grands pétales. Oui, je me trompe pas. Pétales, c'est masculin, c'est pas féminin. Donc après, il y a des repères, si j'ai bien vu dans les vidéos d'Hélène, pour qu'on puisse faire les découpes dans le bon sens en se repérant sur les tamponnages. Donc ça, c'est pareil, je vais pas tarder à m'y mettre et je vous montrerai ce que ça donne. Et là, c'est le mold. Donc, c'est la fameuse méga boîte sur laquelle on pose les pétales qu'on a ancrés, découpés. Ensuite, on met le couvercle et on passe tout ça entre nos deux plaques de nos machines de découpe. Donc, par contre, moi je suis pas sûre que le mold rentre dans ma Jiminy, donc je ferai avec ma Mademoiselle Toga. Voilà, donc c'était un haul pas très grand. Ah oui, j'ai reçu aussi des dentelles, des pompons, des pistils, mais malheureusement, les pistils n'ont pas bien survécu au transport. Ils sont où? Je ne sais plus où je les ai mis. Ah oui, ils sont là. Donc les pistils, je pense pas pouvoir m'en servir parce que vous verrez que toute la poudre des pistils est dans l'enveloppe. Voilà. Mais c'est pas bien grave. Je vais regarder ceux déjà avec les petits poils. Je pense que ceux-là ne sont pas abîmés, mais c'est tous ceux qui étaient nacré et pailleté, ils n'ont pas bien vécu le voyage des États-Unis jusqu'à Bergerac. Donc ça, c'est pas bien grave. C'est pareil, je lui ai acheté du papier vellum épais, mais je l'ai rangé, je ne l'ai pas sorti. J'ai oublié de le sortir pour vous le montrer en vidéo. C'est dommage. Et puis, je lui ai acheté divers embellissements pour mettre sur l'album d'Anastasia et voilà, j'ai fait le tour. Je lui ai acheté, ah oui, aussi les petites. La petite gerbe de fleurs, là, tout en tulle et en perles. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, j'attends une autre commande, un peu plus conséquente. Je pense que je vous referai un haul. Et puis, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des découpes. Je vais d'ici quelques jours faire
les fleurs et je ferai peut-être pas de vidéo puisque ça risque d'être trop rapide à présenter. Je les partagerai sur le groupe Facebook où je suis et voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous bisous. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Moi aujourd'hui à Bergerac, il fait extrêmement beau et extrêmement bon. Ça nous change de toute cette pluie qu'on a eue les dernières semaines et des inondations qu'on a eues au niveau de la Dordogne, puisque j'habite pas très très loin de la rivière de la Dordogne et le bas de mon village a été bien bien inondé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous bisous.